Est-ce qu'elle est dangereuse? Pour qui? Pour le ponton. Je vous explique quelque chose. On fait une expérience. Attaque! Allez, attaque! Est-ce que l'arme est dangereuse? Voilà. Ce qui est dangereux, c'est la personne qui est derrière. Les armes ne sont jamais dangereuses. Si vous les mettez au mur, à moins de mal viser les clous, ça s'apprend, le maniement d'armes. C'est-à-dire que si vous confiez des outils à des gens qui ne savent pas s'en servir, c'est dangereux. Un bricoleur amateur, il se tape sur les doigts, il peut même lâcher son marteau dans la tête du voisin. Un bon artisan a de bons outils. Nous, nos outils, ce sont des armes. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour apprendre à s'en servir. Tant qu'on n'a pas appris à s'en servir, on vous interdit de vous en servir. On n'est pas idiot. Parce qu'à l'entraînement, on a des amis en face. Quelle que soit l'époque, l'entraînement se passe avec des frères d'armes. Si vous tapez sur vos amis, vous n'avez même pas besoin de la guerre. Ça va être très embêtant. Donc il faut les maîtriser. Alors maîtriser son arme, c'est ça. C'est-à-dire éviter de la mettre n'importe où parce qu'elle n'est pas animée d'une vie propre. Si vous n'êtes capable de faire que ça, vous êtes ce qu'on appelle un bourrin. Ouais. Je vous rappelle que le bourrin, c'est pas le cheval. Je connais même beaucoup de cavaliers qui sont des gros bourrins. La maîtrise, c'est que... Il faut arrêter son arme avant. Si on peut l'arrêter avant, on peut ne pas l'arrêter. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être un choix volontaire. Mais c'est pas elle qui décide. Si vous avez que tapé fort, vous êtes un bûcheron. Les armes ne bougent pas. Or l'ennemi a tendance à bouger. Il faut donc que l'épée suive la trajectoire et suive l'ennemi. Dans les films, vous avez un type qui est par terre. Et quand l'autre le tape dessus, il roule. Ouais. Et il roule. Alors qu'il est là. Et après il fait ah. Et l'autre, il est là. C'est-à-dire qu'il oublie de suivre. Et ça fait bien cinéma. Donc ce que vous voyez au cinéma, c'est ça. On fait un petit de... Ouais. En général, c'est ça. Et là, c'est le moment où on prend la pause pour la photo. T'es prêt? T'es prêt pour la photo? C'est là aussi où on se dit des trucs au cinéma. Ah oui. Ah ah! Ça fait 10 minutes qu'on se bat. Ouais. Tu vas mourir. Je vais te percer de mon estoc. Ouais, bah toi aussi. Sans retenue. T'as répété ça? Moi je dis quand on tue, on raconte pas sa vie. Ouais. Là, si vous coupez en deux, je vais pas faire ça. Ah, là, de haut en bas. Ah oui, puis c'est pour le film en fait. Si je vois par où. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Si c'est bien pour faire des photos. Ouais, pour les photos, si on pose et tout. Et après, ça permet plein de choses. Oh. Et on peut aussi attaquer d'autres. Par la barbe de mes ancêtres! Ciel, que va-t-il me faire? Ben, comme d'hab, coucou tête, je suis fortuné. Ah! 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 Oh! 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 On mange! Oui! C'est pour vous voyez bien. Ouais! Ah! Par acétamol! Ah oui! Ah! 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 Variant. T'as vu, c'est beau dans les films. C'est débile. On va ajouter beaucoup de musique. Ouais. Parce que le héros, il a sa musique. On ne se souvient jamais. Mais le méchant, il a sa musique. On ne se souvient plus. Ouais, alors le gentil. Le gentil. Ah, alors tu vois, tu ne t'en rappelles pas. Parce qu'on se souvient que le méchant, c'est beaucoup plus jeune. Voilà, évidemment, ça se passe. Bon, regarde bien, si je me coupais de haut en bas. Bêtement, comme ça. Ah
votre métal, tu peux vraiment couper en, en deux, par exemple. Je reprends. Ah ah, tiens ah. Hop, avant-moi, 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 avant-moi,